la musique reggae sur notre temps aujourd'hui. Parce qu'un pays, un continent, quand ça ne va pas, c'est le reggae qui doit exprimer. Aujourd'hui, on a des talents. On exprime. Mais il n'y a pas un cadre pour nous au Burkina Faso qu'on puisse quand même aujourd'hui nous laisser, nous, le reggae man aujourd'hui, parler, exprimer. Le reggae n'est pas né facilement. Le reggae est né en Jamaïque. Le rassafarisme est né en Afrique. Particulièrement en Éthiopie, parce que même au Burkina Faso, dans les familles, les grands marabouts, on les connaît, c'est à côté de sud-ouest, comme les lobbies, c'est naturellement quoi. Mais la musique reggae est venue, quand ça ne va pas, la musique reggae vient tracer, dit c'est une vérité, fait empêcher le cœur. Mais au Burkina Faso, le reggae est là, et nos frères, je respecte beaucoup de Rousseau Wango, Zedestiala, Ima, Digma, Ima qui aujourd'hui qui sont, Martin Thierry qui sont aujourd'hui, Itogéné, plein de Kizito qui sont vraiment éparpillés. C'est récemment, avec la vérité, et voilà, quelques règlements qui sont là aujourd'hui. Mais pourtant, c'est notre temps. Mais il n'y a pas un cadre pour nous. Aujourd'hui, si dans la guerre que l'Akidou a connu en Afrique du Sud, même il ne plus vit pas dans ce monde-là. C'est dans même ça ne va pas là, qui a valorisé comme le Tigane Dia qui autre là. Tigane Dia, sa carrière a commencé quand ça n'allait pas politiquement en Côte d'Ivoire. Le reggae est là aujourd'hui, nous, on le travaille tout contre nous. Il nous faut des grandes émissions de reggae aujourd'hui. Il nous faut un cadre comme ça dans la télé, nos télé nationales, dans nos télé, nos télé privées qui sont là aujourd'hui. Si aujourd'hui, si tu as eu la chance de jouer avec les grands Jamaïcains, tu as fait les premières parties, joué avec Alpha Condé, tu as joué avec les Jamaïcains, tu as joué avec les Tigane Dia, tu as fait tout, presque beaucoup. Mais en Afrique, parce qu'au Burkina Faso, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le message de reggae, c'est notre temps aujourd'hui. Quand tu écoutes aujourd'hui dans nos radios, ce sont les reggae qui expriment beaucoup, qui demandent la paix. Et sinon, récemment, qui dit, alors, allez, nos militaires ne sont pas d'accord. Même je vais essayer de récupérer tous ces races-là pour qu'on puisse s'asseoir aujourd'hui. Burkina Faso n'a pas besoin d'engagement pour attaquer. On a besoin d'un engagement pour qu'on puisse apaiser le cœur. Les sacrifices et filles de Burkina Faso sont réglés là aujourd'hui. Sans la pouvoir sortir, il y aurait de grands concerts. Et je tourne beaucoup grâce à le reggae. Sinon, moi ici, dans la famille traditionnelle, moi ici, je suis bien sûr de Saint-Noir. C'est la musique traditionnelle webiné que j'ai évolué dans le reggae. Si je suis devant, un jour, j'étais habillé en reggae il y a 3 ans de cela, on m'a dit, écoute-moi, Sanabo, c'est madame la ministre de la Jamaïque qui est venue dans notre loge. Je dis oui, le reggae est né en Jamaïque, mais elle a grandi autrement en Afrique. Il faut se reggae de Sanabo, en Burkina Faso, au Jamaïque. Il faut que ce reggae la vienne au Jamaïque avec Ras Goudi blanc, qui est un Ivoirien qui chante en baoulé. Tu vois, ils ont besoin parce que notre reggae est vraiment s'allier à notre problème, à notre message, avec notre genre musical. Moi, je fais reggae avec le Wurga et Kouné, avec les filles qui dansent. C'est autrement quoi. Ouais, franchement, donc le reggae est là. Dieu merci, il y a des festivals de reggae, il nous faut le cadre. Mais ce qui nous manque au Burkina Faso, au niveau de notre organisation même culturellement, notre ministère de la culture, il faut revoir beaucoup de choses aujourd'hui pour que les artistes puissent s'engager, pour puissent aider dans notre pays. Vraiment, il manque d'un cadre, il manque de grands soutiens, il manque de grands festivals, il manque de grandes compétitions. C'est ça qui manque au Burkina Faso. C'est pas seulement que les gars, tu sais que la musique burkinabé, ça reste sûrement déjà à Pau. Si tu es à côté de Bafoura, la musique burkinabé, ça s'arrête là. À côté de Niger. Donc, c'est que à côté de Doré, la musique burkinabé, ça reste là. Pourtant, c'est notre temps. Et le reggae doit s'exprimer. Le reggae burkinabé comporte bien. On a beaucoup d'inspiration. Quand un reggae qui vient au Burkina Faso, chaque jour qu'il y a fait, il y a l'inspiration qui vient au jour. Mais il nous manque de cadre. Sinon, je vais continuer avec ma carrière et pour écrire mon histoire. Un jour, peut-être même si je ne suis pas là. Peut-être que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps.